Hello there, c'est Skull. Bienvenue sur l'épisode 3 de RimWorld. Aujourd'hui, nous avons un problème de peste, et donc pas de choléra. Du coup, les personnes qui sont infectées, c'est donc Guilty, qui apparemment a été déjà soigné par Skullmasher. Et le pire, c'est que nous avons notre médecin Skullmasher, qui est du coup aussi à la peste. Il va falloir trouver quelqu'un pour le soigner impérativement et surtout organiser aujourd'hui la base pour construire des lits d'hôpitaux. Je penserais plutôt peut-être sûrement cette salle-là, ça a plus de sens, je ne sais, me demandez pas pourquoi. Et ici, on continuera à faire des emplacements pour que les gens puissent dormir. Ici, une deuxième chose, deuxième bâtiment qu'on va construire, c'est pour les prisonniers, pour pouvoir mettre des prisonniers un peu partout. Donc on va se trouver dans un premier temps un médecin, pas trop mal. On a donc Jenkins, Guilty en 2 et 10. Oh putain, le carry. 10 avec Flamme 2, c'est même mieux que Skullmasher. Donc Skull... on va laisser tous les deux médecins, c'est très bien. C'est très très bien. Super. Donc du coup, Muguet est levé. Ce qu'on va lui demander en priorité, c'est d'aller soigner Skullmasher de la peste avec la médecine. Et ensuite, on va commencer à construire nos baraques. Alors là, il est en train de training Alpaca 1. Accessoirement, si on va sur l'Alpaca 1 et qu'on regarde le social, on peut remarquer qu'en fait, c'est Skull qui a volé la vedette à Guilty. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aimerais quand même que Guilty soit... ce soit la personne qui s'occupe des animaux, parce que c'est vraiment la classe. Donc, du coup, on va demander à Guilty en handle. Ici, on va mettre tout le monde à 3. Comme ça, c'est Guilty qui a la priorité. Voilà. 3. Yes. Ok, c'est parti. Donc du coup, est-ce que Skull a été traité par Muguet pendant que j'avais le dos tourné? Oui, c'est merveilleux. Et là, ils reprennent leurs activités. Muguet est en train de faire Sculptor Stable pour faire de l'art. Et ensuite, nous avons Electric Tailoring Bench. Ici, on est passé au Electric Stove. Il va falloir surveiller aussi nos batteries, voir si elles marchent bien. Et en parlant de batterie, on va demander à terminer ce panneau solaire pour être sûr qu'elle puisse se remplir et alimenter toute notre base, nos lampes et compagnie. Normalement, avec une éolienne et un panneau solaire, je pense que ça devrait faire le compte. Ok, donc sans plus attendre, c'est parti. On se lance dans les structures. On va se faire... Alors, je suis inspiré plus par le quartier de prisonniers, là, tout de suite. On va faire avec 2 d'écart pour éviter les incendies. On va leur faire des petites chambres comme ça. Ouais, c'est déjà luxueux ça pour des prisonniers. Hein. Et ensuite au milieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un couloir de 2, genre comme si c'était prison architecte, comme quand j'ai vu dans les trailers. Là comme ça. Hop, on va faire des baraquements. Et là on a combien? On leur donne 3 cases. 1, 2, 3. Voilà. Bim. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je sais pas combien ça fait, je crois que ça doit être à peu près 6 cases. Oh, ce serait dommage que ce soit pas symétrique. On a combien ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a 1, 2, 3, 4, 5. C'est nickel. Boom. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Et pour les prisonniers, ça ira pour le moment. Le jour où on a besoin de faire augmenter la taille de ça, bah, on le fera. Et 4 prisonniers, déjà, c'est la classe. Si on peut avoir 4 prisonniers en même temps, faut y aller. Ok, ensuite, évidemment, on va leur mettre des petites portes d'accès. Ainsi que une ici et une là. Et ça ira pour nos prisonniers. On va rajouter du sol, évidemment. Boum, voilà. Donc là, on a ce qu'il faut pour nos prisonniers. Et ensuite, pour l'hôpital, c'est-à-dire qu'ici, il faut qu'on rajoute des pieux. Et alors, ce que j'imaginais, c'est qu'on fasse une structure qui soit un peu détachée de ce bâtiment-là, toujours pour éviter les incendies. Je sais plus exactement combien on a de longueur, là. Je crois que ça doit être 8. Oui, c'est quelque chose comme ça. Nickel. Et on rajoute une porte là. Comme ça, on peut faire un autre... on peut en faire une autre ici. 1, 2, 3 et 8. Hop. Voilà, Miguel, il va avoir du taf. Hein. Ok. Là, il va falloir sortir les doigts du cul. Et on va en faire d'autres parce qu'on va avoir grand. Et on va se dire qu'on va avoir plein de Heartless dans notre colonie. Alors du coup, ça c'est hop, annulé. Boum. Boum. Accessoirement, j'ai laissé ma sensibilité desktop, mais c'est pas grave. Hop. La porte ici. Le sol. S'il y a besoin de rajouter des portes plus tard, on verra. Floors. Wooden floors. Raté. Donc celui-là, on annule. Pardon.
Alors, accessoirement, il faut que je démarre hop, cette chose-là. Architect Floors. Wooden Floors. Ok, nickel. Ensuite, donc, que fait Muguet? Muguet, il fait le carry. Il n'y a pas de souci. Alors, ces deux trucs-là, on peut les utiliser. Skull est en train de nous faire de la recherche. Ça, c'est fou. Comment va sa plague? Sa peste, c'est bien peste si je dis pas de bêtises. Alors Guilty, il fait quoi là? Guilty, il est en mode peste aussi, minor. Alors immunité 41%. Alors le truc qu'il faut regarder, c'est ça, c'est qu'en fait l'immunité va augmenter avec le temps. Non, c'est pas ça. Traitement dans 5 heures, immunité 42%. Ah putain, c'est chaud. En gros, il faut vraiment les traiter le plus souvent possible pour qu'ils développent une immunité à la peste, sinon c'est la mort assurée et c'est le drame absolu. On va vérifier qu'ils aient bien assez de bois pour faire tout ça. Donc on va faire chop wood. Yes, coupez-moi tout ça les gars. On va mettre ça en x3 et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rectifier? Donc on va voir ça, des défenses. Ah oui, il va falloir réfléchir à un grand système de défense. C'est-à-dire que le mieux, ce serait que notre base soit entourée carrément d'un mur, qu'il fasse tout le tour, et qu'on fasse un point d'engouffrement pour nos ennemis, et pour qu'on puisse les niquer plus facilement, poser des tourelles et compagnie. On va pas y réfléchir pour le moment, par contre, il faudrait que ce soit dans le... Wow, ok. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on est en panne de batterie. On est en panne de batterie, pourquoi? Parce qu'on a trop de matériel électrique. Et du coup, ça fait pas le taf, donc il va falloir penser à rajouter quelque chose. Et on a encore du steel, donc il n'y a pas de souci. Et moi, je préfère rajouter une petite éolienne. Hop là. Évidemment, elle sera bloquée par les... Alors, elle est dans quel sens? Celle-ci a été dans l'autre sens. Donc on va la mettre dans le même sens, ça fera plus classe. Voilà, comme ça. Nickel. Et donc, il faudra s'assurer que, du coup, elle ne soit pas bloquée par les arbres. Et a priori, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais par acquis de conscience, je vais le faire, parce que la dernière fois, je me suis fait avoir. En mettant x3, on va faire confiance à nos gars. Zone orders. Alors, j'ai l'impression que j'ai entendu un bruit de médecin, là, c'est un bon signe. Qu'est-ce que j'ai fait? Chop wood. Voilà, comme ça, on est sûr. On va aller vérifier. Oh, Muguet Skull, que c'est mignon, ils dorment dans le même lit. Ah là là là. Ah, alors Guilty, toujours plague. Et du coup, ensuite on a Skull. Minor untreated. Ok, c'est ça, pas du tout. Il faut absolument que ce soit traité le plus rapidement possible. Donc, ouais, tout de suite tu. Fruiting Skull Mesher. Yes. Alors, combien de pourcent est l'immunité là? L'immunité pour Skull est à 56%. Et pour Guilty, elle est à 57%. Putain, faites que ça passe. Parce que, oh, et comme par hasard, ce seraient les deux ledrus qui crèveraient la peste comme des grosses merdes, là. Alors, je fais ce qu'il faut, normalement. Je regarde, ça devrait aller. Hein. Mais je pense qu'il y a une chance pour que ça ne marche pas. Les heal routes, c'est très long, mais on va avoir du coton bientôt. Et ça, c'est énorme. Ça nous permettra de faire des vêtements pour tout le monde, que tout le monde soit plus à poil. Ok, donc accessoirement, ça avance pas mal. Est-ce que le bois, ça coupe, là? Oui, c'est pas mal. Nous avons quelqu'un qui s'appelle French Military Commissar. C'est pas possible. Oh, genre il arrive, il a une vieille balle qui lui traîne dans le bras et tout. Naked. Et alors là, la magie. Oh, what? Mais c'est quoi cette chance, quoi? C'est quoi cette chance? Donc déjà, c'est un mec qui sait tirer. Et qui sait tout faire, à peu près. Mais ça, c'est Pipoun. Il sait tirer, Pipoun. Ça a toujours été le meilleur. Il frague très bien sur Killing Floor. C'est celui qui frague le mieux sur CS. C'est Pipoun. Mais oui. Il sait à peu près tout faire. Voilà. Il social, les animaux, le shooting. Ça me va, c'est Pipoun, ça. Donc là, Pipoun, tu vas en finir en pantalon, quand même, s'il te plaît. Ça suffit un peu les conneries. Oui, mais on n'en a pas. D'accord, donc on va t'assigner quelque chose. Déjà, tu vas être notre... qui c'est qui vise mieux que toi, déjà? Genre, est-ce que Jenkins, par exemple? Non, Jenkins, c'est le mec qui... C'est pas possible. Jenkins, Skull, il a combien en... Non, c'est caractère. Voilà, shooting 5, shooting 2, shooting 2, shooting 7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va demander à Skull... de lâcher son arme, parce qu'il s'est vraiment, mais alors vraiment pas visé. Et on va la donner à Pimpon.
Et Pimpon, il va nous carry le shooting. Et pendant ce temps-là, Skull, bah, du coup, tu lui jetteras des pierres à l'ennemi. Ou alors, non, tiens, tu vas se prendre ce gourdin-là, là. Une fois que tu seras réveillé. À moins que tu sois juste. Je crois que tu dois être en train de te soigner, en fait. Immunité dans 5 heures. Et Guilty, c'est quoi, là, son immunité? 64%, putain, ça fait stresser quand même. Hein. Oh. Ok, on va laisser ça en x5. On va voir si Skull. Ouais, il est en mode resting parce qu'il est malade. Très bien. On va vérifier. Alors, surtout Pipoun, oui, priorité au feu. Ensuite, priorité à être un patient. Docteur, t'as vraiment pas besoin. Bed rest, évidemment, oui. Flic, oui. Warden, bah, ma foi, pourquoi pas. Handling, c'est quoi déjà? C'est les animaux. Cook, ah non, tu vas pas nous cuisiner ta merde. Hein. Hunting, mais oui, bien sûr, Hunting, tu vas être en priorité. Skull, tu vas passer ça en deux. La construction, pourquoi pas, tu vas mettre ça en deux pour filer coup de main à tout le monde. Plant cut, quoi, tu peux pas? T'es incapable de transporter des choses. Enfoiré. T'es incapable de transporter des choses et faire des choses débiles. Oh, je rêve. Ah, je t'en veux. Ok, bah pour la peine, tu vas apprendre à miner. Et tu vas évidemment réparer. Tu vas construire aussi. Cuisiner, non. Crafter, est-ce que tu peux crafter? Et bah tu vas apprendre, mon pote. Tailor, pareil. Et smithing aussi. Et research. Oh non, non, non. T'es exempté. Ok, où est Skull? On va regarder son immunité. Hop, Skull, il nous coupe du bois, c'est super. Est-ce que là, oh là là, la deuxième éolienne est faite. Alors si tu veux couper du bois, tu vas aller me faire ces arbres-là. Et accessoirement, on va regarder ton statut, caractère, elf, 81% d'immunité. On commence à y arriver. Traitement dans 5 heures. Comment est notre guilty? Accroche-toi, on est les deux ledru. On peut pas les laisser comme ça, c'est pas possible. Donc là, hop. Non, tu laisses ça par terre, tu mangeras plus tard. Skull, t'as connu pire. Allez. Qui c'est qui s'est réveillé? C'est Guilty. On va dire qu'on lui fait confiance. J'ai vu qu'il s'amusait au truc tout à l'heure. Ok, donc Pipoun élevé, il place des trucs, il construit, c'est nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui désigner des trucs pour la chasse, du style. Est-ce que ça pourrait pas nous servir en fait? Ouais, non, on va le hunt. On va voir comment on va avoir le gros sexe de Pipoun. Oh! Jenkins! Ok, c'est bon. On est bon. Jenkins, tu t'es fait mordre un peu, je suis désolé encore une fois, c'est une catastrophe, mais. Écoute, tu vas faire ce qu'il faut, Skull ou Muguet viendra te soigner. Et voilà. Alors, Do, self-tame. Do? Je le vois pas. Bah, s'il est self-tamed, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner une zone pour les animaux. Et les animaux. Animal area 1. Alors, animal area, on va leur dire. On va leur dire. Vous savez quoi? On va leur dire à peu près cette zone-là. Voilà. Les animaux, ils pourront aller partout là, sauf. Sauf ici. Très bien. Alors, du coup, Skull, l'immunité. Pipou est en train de construire. Oh, ce bâtiment avance super bien, c'est nickel. Du coup, hop. Skull, on va vérifier son immunité rapidement. Non, c'est dans Elf. Immunité 96. Oh la vache, je le lâche pas tant qu'il a pas. Putain, en fait, qu'il y passe pas, quoi. 97. 98. Faut y croire, là. Je pense qu'il crève, c'est la première fois que j'ai la peste. Et. Developed immunity! Wouhou! Et Guilty! Developed immunity! Allez, le dru, GG! Ah! Et après, il va se ranger. Oh merde! Stop, 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 stop! Oh non, on me dit pas que c'est Kika. C'est Jenkins? Maintenant? Oh, for fuck's sake, c'est reparti. Donc du coup, toute la colonie est en train d'avoir la peste. Ok, donc là, en urgence, qu'on va avoir besoin, Muguet, là, c'est que tu nous fasses. En plus, toi, tu vas commencer à avoir la peste. Donc là, par défaut, il nous faut
Des double beds pour tout le monde en bois. C'est du bois ça? Je vais pas vérifier, on va dire que oui, c'est du bois. Oh, regardez, c'est bien du bois. Le problème, c'est qu'il nous en manque. De toute manière, ah, tiens, on va dégager ces pierres-là en passant, tant qu'on les voit. Ah, celle-là aussi, donc je t'ai vu, tricheuse. Et ensuite, un lit ici, il va nous en falloir un autre, une fourniture, donc double lit en bois ici. Et l'autre, on va attendre un peu. Pendant ce temps, ce lit-là, il est acquis, cet honneur. Donc Skull, il dort là. Ici, on va dire que c'est le lit à Muguet. Et ensuite, ici, c'est le lit à Skull. Là, c'est le lit à Jenkins. Donc, on va lui assigner à... Tac, 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 tac. Jenkins, c'est bon. Ensuite, celui-là, est-ce qu'il est assigné à quelqu'un? À Pipoun, ok. Et celui-là, il doit être à Guilty. Ok, à Guilty. On a des lits pour tout le monde et on a un lit pour le soin. Skull est en train de soigner Jenkins. Est-ce que tu as soigné Muguet? Voyons voir. Skull. Ok, a priori, ils sont en train de se faire soigner. Et le dernier, est-ce qu'il y en a un autre qui a la peste là? Ok, Muguet. Alors, on vérifie ceux qui ont la peste là pour être sûr et certain. Immunity, donc il y a Jenkins. Immunité pour Guilty et Skull. Muguet n'est pas traité. Muguet n'est pas traité, donc Skull, tu viens ici tout de suite et tu me. Reste until heal. Oui, c'est ça. Va le soigner immédiatement. Ok, et là vous me faites une immunité pareille. Hein. Je veux pas que vous creviez de la peste, hein, c'est mort. Hein. Je pense que le jeu a décidé d'être un peu méchant dès le début. Là. Accessoirement, on va dire qu'on a assez d'énergie et qu'on peut leur foutre à tous des standing lamps dans leur chambre. Hop, hop. Et c'est nickel. Donc on va laisser le temps défiler à fond. On va leur laisser couper tous les arbres. Accessoirement, si vous voulez couper des arbres, profitez-en pour couper ceux-là plutôt. Donc là, Skull, tu viens ici et tu me fais un cutting. This one. Si tu vas aller me couper, je te surveille. En plus, toi, t'es celui qui bosse la nuit. Putain, sous la pluie en plus. C'est quoi ça? On est en été, il pleut encore comme vache qui pisse. Tu vas me couper aussi. Donc celui-là, on va le désigner pour la coupe. Celui-là aussi. Voilà. Et celui-là aussi. Ok, donc là, il commence à tourner. C'est nickel. Ensuite, il y a les pierres à ramener. Fourniture, standing lamp. On va en mettre une. Voilà, c'est très bien. Dès l'entrée, ça fera le taf. Muguet est en train de nourrir Jenkins. Est-ce que vous êtes tous en train d'être. Alors, toi, t'es traité aussi. C'est nickel. Pause, mad animal. Nous avons. Boomaloop! Ok, alors la subtilité avec les Boomaloop, c'est que il nous faut notre meilleur shooter qui est Pipoun instantanément. Et c'est celui qui est pas. Putain, debout. Debout, mec. Parce qu'en fait, il faut l'intercepter avant qu'il arrive à nous. Où est-ce qu'il est? Je le trouve plus. Oh putain. Ok, donc. Pipoun, tu te places ici. Ensuite, qui c'est qui a une arme? Guilty, t'as quoi comme arme? Un pistolet. Et bah, tu es drafté et tu viens ici instantanément. Et je crois que c'est tout ce qu'on a comme arme. Donc maintenant, il faut repérer le boomalope. Et un raid! Faut souffler, faut décontracter. Donc déjà, on a cette chose-là qui arrive. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les devants parce que ce truc-là, avant que le raid arrive. Ok, donc là, vous venez ici tous les deux. On repère l'endroit du raid. Ok, Oh putain, alors faut gérer là. Faut gérer, il faut carry. Ok. Putain, Pipoun il se déplace super rapidement, c'est notre commando de la journée là. Stop, là normalement, à partir d'ici, vous pouvez l'attaquer. Ouais. Je t'en supplie. Oh putain. Et le problème c'est que ça explose, en fait, les boomalopes. Il y a boom dans le nom, c'est pas pour rien. Guilty, ça suffit les conneries. Fire up the boomalope. Il est un peu près de toi là. Hein. Oh! Non, l'alpaca! Sors-toi de là! Cassez-vous! Undrafted! Tu vas dans le feu, pourquoi? Dégage! Tu es fou, mon ami! Kinky, l'alpaca!
Tu es fou, c'est Alpaca de Guilty qui a voulu attaquer cet homme. Quelle horreur. Oh la vache. C'est n'importe quoi ça. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, on va tous les mettre dans l'animal area 1. Area 1, pardon. Alors le dos, où est-ce qu'il est le dos? Le dos... je sais quoi déjà un dos en... C'est une biquette? Une biche? Un truc comme ça? Pareil, on va les entraîner à aller sur les ennemis. Alors à l'avenir, c'est sûr que ça sent pas bon si on... Ouh, ok, ça sent... Le raid! Le raid! Le raid, ok, ils attendent un peu avant d'attaquer, donc on y va tranquille. Dès qu'on les voit attaquer, on se met en position, on les bute. Ça, ça va nous faire des vêtements, et ça, c'est beau. Colonist needs treatment. Oh god. Skull. Urgemment. Urgemment, là, je veux que tu... Pourquoi je peux pas le traiter? Ah d'accord, faut qu'il s'allonge avant. Ensuite, je vais sur Skull. Une fois qu'il est allongé... Je le traite, et ensuite le note deuxième, et c'est bon, Jenkins est traité, c'est ok. Minor risk break, Jenkins, Muguet, Pipoun. Pourquoi? Parce que, un, ils sont malades, deux, parce que j'ai peut-être troublé Pipoun dans son sommeil. Alors, peut-être un petit peu aussi, parce que t'es à poil. Ouais, t'es complètement à poil, et ça fait trois fois que tu te fais troubler le sommeil. Oh putain, ça c'est pas cool. Alors, eux, ils avancent pas, mais du coup, les vêtements arrivent. Ils sont là, les vêtements. T'inquiète, on va les avoir. En plus, ils ont deux armes à distance, on va filer un arc à Skull. Tâteur d'apparaître, Hunter, Lacks Ranged Weapon. Pourquoi? Il y a un qui est en Hunter mais qui a pas de weapon. Ça doit être le Skull. Le Skull. Bon, on va lui laisser ça comme ça parce que de toute manière il aura un weapon bientôt. Ok, stop. On revient dans la colonie. Qui c'est qui est élevé? Jenkins, Muguet. Bah là, de toute façon, c'est branle-bas de combat pour tout le monde. Même pour Skull. Même. On va essayer de déranger le sommeil de Skull. Hein. De toute manière, il va pas nous aider grand-chose. Ok, donc vous, vous êtes drafted. Jenkins, vous êtes drafted. Pour l'instant, vous allez les accueillir derrière ce mur-là. Jenkins, toi aussi. C'est parti. Alors, où est-ce qu'il se dirige, là? Ok, on se déplace. Hop là, vous êtes tous les quatre ici. Déplacez-vous là. Ok, là, normalement, vous avez une ligne de tir, là. Allez, pimpons. Yes! C'est beau, ça. Ok, Jenkins, où est-ce que t'es? Ouh là 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 là! Eh, vous me laissez pas s'échapper. Faut leur apprendre une leçon, là. Donc, vous allez me rattraper, ce mec-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Jenkins. Là, Jenkins, faut que tu deviennes Usain Bolt, là. Je veux que tu m'attrapes, ce mec-là. Pipoun, tu lui mets des balles dans le bide. Muguet, tu me le mêlis jusqu'à la mort. Et... Guilty, t'oublie pas de tirer par-dessus l'épaule de Muguet, parfait. Oh là là, magique. Alors là, les gars, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, undrafted, on va demander à Guilty, tiens, d'aller mettre à poil cet homme. Donc c'est la touche O. On va mettre à poil cet homme aussi, c'est la touche O. Et sauf que lui, on va en faire un prisonnier. Le truc, c'est qu'on n'a pas fini ce bâtiment-là. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on demande à Jenkins. Alors, on va le striped. Et Muguet, tu vas nous faire un lit simple en urgence dans cette salle qui a l'air d'être la plus terminée. On va annuler du coup tout ça. Annuler. Tout ça. Annuler. Et tu me finis cette pièce-là en urgence. Donc là, Muguet, tu te prends... Bouge les fesses et tu me fais le lit. Pour l'instant, à Jenkins, tiens, bah, fous-le à poil au cas où on l'aura pas. Voilà. Super. Ensuite, strip. Voilà, Jenkins va aller stripper cet homme. Ensuite, alors, ceux qui étaient à poil, normalement, vont pouvoir s'équiper. Alors, lui, il est mort, il va y aller à la tombe. Pimpon, qui est toujours à poil, bah, tu vas au moins enfiler une parka. Et ça, je sais pas c'est quoi. Clove Tribalware, bah, écoute, c'est parti. Ça, ce sera pour Skull. Skull qui est en train de pioncer. Donc là, vas-y. Mets la parka. Ensuite, tu mets sur Pipoun le truc comme ça. Ensuite, avant d'aller rescue, il faut un bed. Ok, c'est bon. Ça, on va le mettre pour les prisonniers. For prisoner. Outdoor beds. Ok, donc là, Muguet already constructing. Ok, c'est bon. Pipoun en urgence. C'est parti, exactement. Là, vous avez le truc qu'il faut, les gars. Oh, mon jeu qui... Ok, c'est bon.
Très bien. On y est presque. Ouais, les chiens. Lol. Ça, c'est quoi? On s'en fiche. On gère. Muguet, je t'en supplie. No more materials. Putain, il est en train de crever. Moi, je le veux en prisonnier, ce mec. On va regarder ses stats pendant qu'on y est. Caractère. Caractère. Il est pas mal. Il fait du craft. Il nous le faut. Il nous le faut. Tortoise dead. Qu'est-ce qui est grand, là, dead comme ça, là? Scamécheur. Oh, les gens qui ont la peste, là. Elf, plague, minor, immunity 60, c'est nickel. Par contre, Muguet... Ah, ok, il est traité aussi, c'est très, très bien. Est-ce que ce truc-là est en train de se finir, là? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est parce que vous avez plus de matériel. Vous avez plus de bois. Mais non, 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 non. Vous n'avez pas compris, les gars. Moi, je veux un prisonnier, là. Prioritize cutting et Jenkins. Pareil, tu vas me prioritiser cutting. Voilà. On va faire du matériel pour aller construire cette merde. Parce que l'autre, il va crever dans le froid le temps que j'arrive à lui trouver un pieu, quoi. Cependant... non, c'est pas sage. C'est pas sage de faire ça. Ah, ce lit-là, vous savez à qui on va l'assigner? Je pense que Guilty a bien mérité un lit. Ah oui, il dort avec son alpaca de l'autre côté. Jenkins a un lit. Je sais que... Qui c'est qui a pas de lit, du coup? Bon, on va voir. Faudrait que je regarde les... ceux qui dorment. Ensuite, Muguet. Du coup, maintenant, tu dois avoir du matos. Non, toujours pas. Oh, putain, c'est pas possible. Vas-y, Pipoune. Oh, ouais, tu vas où, là? Tu vas où? Non, 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 t'es fou, toi. Tu es fou. Annule-moi tout ça. Annule-moi tout ça. F. Voilà. Et là, tu me fais ce truc-là. Voilà. Nickel. Muguet. Building roof area, vas-y. Ok, c'est bon. Est-ce que là, maintenant, je peux lui faire un rescue? Jenkins, capture. Et là, ici, on fait 7 for prisoners. Oh putain, ça marche. Jenkins, tu vas me capturer cet homme. Ensuite, on va le soigner. Donc, voilà. Ok, ça c'est fait. On peut retirer tout ça là. Hop, F c'est bon. Tout ça, F c'est bon. F, F, F. Et tout ça. Boum, boum. Boum. F, F. Oh là là, c'est chiant, hein. Ok. Ensuite, il faut qu'on ait un mec qui soit réveillé. Muguet. Non, Muguet, toi, t'as la peste. On va éviter. Hein. L'arc is reserved by Jenkins. Mais t'es fou, Jenkins. Attends, il y a un problème, là. En fait, deux médecins, ça suffit amplement. Donc, Jenkins, tu vas arrêter de faire le médecin. T'as 3 en skill. Toi, t'as 2 en skill. Ça suffit. On va dire que 2 médecins, c'est parfait. Et donc, du coup, Muguet ou Skull. Tiens, Skull, t'as pas la peste. Non, 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 Jenkins, t'as pas compris. Jenkins... Ah non, c'est parce qu'en fait, il veut aller le nourrir. D'accord. Ok, très bien. Ok, la suite des choses avance. Je vois que notre environnement est pas très bien nettoyé, là. Skull, tu fais pas du bon job, hein. On met tout le monde en un cleaning, hein. Parce que là, ça va pas. Tiens, on va mettre Pipoune en cleaning. Parfait. Alors, laissez Skull aussi en clean. Ah non, historiquement c'est Jenkins qui fait le cleaning. Voilà. Ah non, il a 2 en cleaning. Ah, c'est research, putain, qu'est-ce que je suis bête. Notre chercheur, c'est Skull en priorité. Voilà. Et clean, voilà, donc clean c'est bon. Et Muguet aussi. Voilà. Très bien. Roule ma poule. Ok, donc lui il commence à être soigné. Voyons voir sa barre de vie un peu là. Gunshot, ça commence à être soigné. Et c'est soigné, c'est nickel, on va peut-être l'avoir. Tater d'appareil. Ah ouais, il y en a, il commence à avoir des trucs. Bah oui, tout le monde a des. Manor Jenkins. Ouh, Skull. Putain. Hop là là, ah, c'est chaud, hein. Reserve by Muguet. Ok, c'est bon. Muguet, il s'en charge. Et qui c'est qui se charge de Muguet, du coup? T'es dans quel état, toi? Ah, t'es traité. Très bien. Super. Ok, j'espère que ça tient le coup. T'en es à où dans ta. Immunité 69%. Ok, c'est beau ça. Oh non, Pimpon! Mais non, c'est Pimpon qui a fait les lits! Ah, je m'en fous, on les déconstruit, on les recommence. Hein. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et Guilty, là, il dort pas. Oh putain, il va falloir attendre que Guilty se lève. Oh, quelle horreur! Oh, fait chier. Bah oui, mais il était occupé aussi, notre Muguet du dessous, là. Qui parfois devient Muguet du dessus. Ok, alors lui dort avec un malade, Pimpon, un malade qui a la peste accessoirement, donc c'est vraiment pas cool, faut vraiment lui trouver un pieu, et sa chambre elle devrait être là. On peut d'ores et déjà...
Non! Skull! T'as un gourdin sur toi? Où est-ce que t'es? T'es trop loin! Il s'est échappé! Parce que j'ai pas... Parce que la porte, elle est restée ouverte ou quoi? Oh, j'ai laissé la porte ouverte! Oh bordel! J'ai soigné le prisonnier, j'ai laissé la porte ouverte! Le mec se fait la malle! À poil certes, mais il se fait la malle! Oh, un truc bien là. Et merde! Mon crafter! Oh, sainte mère de Dieu! Oh, ça m'échauffe ça! Oh, qu'est-ce que ça m'échauffe! Ah, je me suis donné du mal et tout, je me suis... Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point. Ah là 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 là, je viens d'avoir une idée cependant. Vu que ça c'est à côté des champs et notamment à côté de ce truc-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une structure en bois, évidemment, comme ça. Genre de 12 sur... De 12 sur ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ordre. On va demander à miner, tac, tout ça. Comme ça nous fait une pièce à pas cher, sans oublier évidemment la super porte facile d'accès. Très bien. On n'oublie pas de faire évidemment un floor pour que l'environnement soit à peu près décent. Oh god. On a heat wave. Alors pour lutter contre la heat wave, c'est pas compliqué. Oh putain. La skull, il faut qu'il. En fait, il nous faut ça pour lutter contre la heat wave. Déjà, il faut qu'on passe notre temps dans le cooler. Donc, il faut qu'il soit bien réfrigéré. À combien il est là? Moins 3. Donc, en gros, ils iront là pour se réfrigérer. Oh là 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 là. Major Brickrec. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui t'arrive, Jenkins? Dis-moi tout. Major Untreated. Mais va te reposer. Mais c'est la folie cette colonie, j'ai eu ma première colonie, mais ça allait très très bien. C'est pas possible. Major Untreated, mais tu es fou! Rest until healed! Et l'autre c'est Muguet. Moderate amount of pain. Donc toi t'es traité. Donc là, Jenkins devait arriver. Boum! Maintenant qu'il est arrivé, on va prendre le Muguet. Tu stops toutes tes activités. Already doltering Jenkins. Ok, c'est bon. Calme, calme. No stress là. Tout va bien. Non, tout va pas bien. J'ai la putain de plague là qui est un... Dis-moi que t'es en train d'avoir une bonne immunité là. Là, ça fait un moment déjà là. 88 et Muguet, il en est à où? Untreated. Oh god, Skull, réveille-toi. Soigne-le, maintenant. Et après, tu vas te recoucher. Je suis désolé. Tu vas avoir un problème, tu vas être pas content, mais... Ouais, il faut que t'ailles vraiment... Pipoune aussi! Old Gunshot. Ok, lui au moins il n'a pas la peste. Lui il carry, c'est bon. Extremely hot. I can't handle this. Go here. Fais comme Guilty. Sois sage. Viens ici. Voilà, tu restes un peu ici. Ça va faire descendre ta température corporelle. Et là maintenant tu peux reprendre le travail. Major Briskrek. Encore Pipoun. Extremely hot. Eat raw food. On a plus de nourriture. On n'a plus de nourriture? Qui est notre cuisinier? Jenkins! Je crois que c'est Jenkins. Jenkins. Cook! Où est Jenkins? Bah il pionce, Jenkins, il est malade! Quelle horreur! Putain, je m'en remets pas là. Oh, pain, pain, pain. Est-ce que t'as besoin encore de te reposer longtemps là? Plus tu pionces quoi. Ok, il nous faut un autre cook là. Il faut quelqu'un d'autre. Skull. Tu dors! Oh, quelle horreur! Guilty! Guilty, où es-tu? Viens ici. Je sais que t'es pas un très bon et que t'as envie de faire les plantes et tout ça, mais là, écoute. C'est un cas de force majeure, faut que tu viennes ici et que tu me. Je sais pourquoi! Cook Simple Meal! D'où? 50! Ah, faut bouffer là! Oh, quelle horreur! Jenkins, tu te sens comment? Very hot.
Tu sais quoi? Je suis désolé, mais tu te sentiras mieux dans le freezer. Do 1 has gotten... Oh putain, j'ai cru que c'était genre Mugi est mort de la peste ou un truc comme ça. Cet épisode, il est pas bon pour mon petit cœur, ça va pas du tout. Hein. Ok, donc lui, il est en train d'être tamé aussi, là. Oh, je fais pause tout le temps, en plus, là. Faut déstresser, tout va bien. Regarde, Pipoun s'occupe de tout. Major Brickresque, Jenkins, Mugi, Pipoun. Alors, Pipoun... Oh là là, Mugi, il va vraiment pas bien. Mood... Hitstroke, initial. Oh putain. Ils ont trop chaud. Mais il pleut. Il pleut dehors. Vous êtes fous. Hitstroke initial. Ah non, mais il est vraiment pas bien, lui. Moderate amount of paint. Naked. Sick. Disturbed sleep. Ah non, mais là, t'as tout, toi. Toi, t'es au bord de la mort, là. Tu vas... Qu'est-ce qu'on a? Le mec, il a la malaria, le choléra, il a tout. Déjà, tu es dans le freezer et tu vas... est-ce que t'as un animal à... Non, reste un peu dans le freezer, là. Voilà. Extremely hot. Ok, c'est disparu. Naked. Donc maintenant, tu peux reprendre des activités. Tu vas continuer à construire. Sérieux, tu vas t'en sortir, mec. C'est bientôt terminé, là. On va dire que c'est bientôt terminé. Consciousness, moins 5. Oh putain. 94%. Allez, mec. Et Jenkins, il en est à où? 99. Immunité, c'est parti, Mugi, let's go Mugi, allez, reste avec nous. Mental Break, Sad Wonder, pour Pimpon. Oh my god, je sais plus quoi faire. Je n'ai jamais arrivé ça dans RimWorld. Pimpon étant Sad Wonder, peut-être que ça serait mieux aussi si tu pouvais lâcher en fait ton bonnet, accessoirement. Ta tuque? Tuque ? C'est quoi une tuque ? Great for keeping warm in winter. Bah oui, mais quand on est en été. Oh là là, Dieu. Sad Wonder. Ah, je peux plus le contrôler. Bah non. Il est en mode Sad Wonder, donc on va attendre qu'il tombe dans les pommes et on ira le chercher. Hein. Là, c'est tout. Hein. Heat Wave, il fait 45, 48 dehors. Oh putain. Oh, de Dieu. Alors là, Skull, tu recherches quoi, là? Tu recherches... En fait, il aurait fallu qu'on fasse le passing. Oh là, putain. Ok, il est en train de rechercher, c'est pas mal. Accessoirement... Guilty dort là. Ici, on peut faire un lit, c'est parti. Let's go. Fourniture. Structure. Non, production. Non. Oh, je sais même plus où aller, là. Fourniture. Bed. Out of wood. Boum, ici, et je veux que ce soit Mugi. Où est Mugi? Est-ce qu'il est levé? Mugi est en train de se reposer, parce que Mugi, il a... M'en fous, t'as développé l'immunité. Prioritise-moi ça. En plus, t'es en train de crever du heatstroke. Accessoirement, on va demander à chasser cette chose, donc ça touche haut. Je sais pas qui c'est qui chasse, mais il va aller chasser. C'est Pipoun. Turkey meat has rotten away in storage. Ah ouais, il fait 17 en même temps. Bah écoute, on va descendre la température. Hein. Tu vas essayer de faire du moins 69. On va pas déconner quand même. Moins 20. Mental Break Berserk. Urgently Hungry? Mais il y a 24... En train de se foutre sur la gueule avec Pipoun. Oui, mais le problème, c'est que Jenkins, il a un couteau. Pipoun a un flingue. Donc Pipoun, il risque de se faire... Oh putain, Pipoun. Mais attends, Pipoun, c'est celui qui est... Oh, ok, on a les deux malades mentaux qui se tapent sur la gueule. Ok, bon, on va attendre qu'ils finissent de se taper dessus. Il peut y en avoir qu'un. Ok, stop. Skull, il faut que t'arrêtes ce que tu fasses, ce que tu fais, là. Rescue Pipoun. J'espère que pendant ce temps-là, Jenkins va pas attaquer... Oh, 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 non, non, Jenkins, on se calme, ce n'est que moi. T'es sérieux? Non, Skull, viens là. Il va aller achever Pipoun. Non, seulement il court après Skull, mais Skull est trop rapide.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que Skull, je vais te drafter. En fait, on va éviter Jenkins. On va faire la strat, là. Viens là. Voilà, viens ici. Jusqu'ici, tu vas aller chercher la médecine. Comme ça, en évitant Jenkins. Ok, c'est bon. Non, non! Non! T'as pas... Le taco! T'as pas le droit de faire ça, c'est le taco de Skull, en plus! Et je vais être triste! Ça suffit! Au moins, ça nous fera de la laine, hein. Oh! L'alpaca a achevé Jenkins! Je rêve de cet épisode, mais c'est fou! Mais c'est quoi ce truc de ouf? Je savais même pas que c'était possible, ça, dans le jeu, quoi. Mais c'est quoi ce... Oh, putain. L'eau médecine. Bah oui, l'eau de médecine, elles en soient où, nos médecines? 49% gros, non. Il va falloir que Guilty sorte les doigts du cul. Il nous en reste combien? 6! Oh putain, Guilty est en train de dormir. Pourquoi je peux pas aller plus vite? Oh, tant pis, normal alors. Allez, c'est bon. Skull, tu finis de traiter Pimpon. Et là maintenant... J'avais pas de lit pour le soigner, mais c'est pas grave. Ensuite, tu vas soigner Jenkins, bien sûr. Ah bah du coup, ça t'a soigné ton mental break, hein, j'ai l'impression. Tu t'es fait achever par un alpaca, quoi. Starving. Bah au moins, du coup, Kumacha va pouvoir s'occuper de toi. Ne mourrez pas, les gars, je vous en supplie, ne mourrez pas. Juste survivez, quoi. Skull va s'occuper de vous, Muguet aussi. Alors Muguet, ton immunité, ça avance, au fait? Je pense que c'est bon, là. Oui, immunité. Oh putain. Et ça? 30 dans le freezer! Mais c'est pas possible! Il est réglé à combien? Moins 39. Ouh. Oh putain. Ok, donc on va achever l'épisode. Je pense que ça ira pour aujourd'hui. C'était fou! C'est complètement fou. On soigne même l'alpaca, on nourrit l'alpaca, on nourrit tout le monde. Jenkins et Muguet se sentent pas très bien. Alors Jenkins, je crois que c'est à peu près normal. Si tu veux, là, il est à peu près pas bien. Ensuite, ouais, pas du tout bien même. Là, en plus, en fait, ils sont dans le mal à cause de la chaleur et tout ça. Et dans le freezer, il fait 30 et dehors, il fait 42. Non, mais c'est complètement fou, ça. Ok, vous savez quoi, on va arrêter l'épisode là ici pour aujourd'hui. Mon petit cœur n'en peut plus. On reprendra, on sera en train de soigner tout le monde. Ce sera super. On continuera cette zone là pour stocker du coup tout ce qui est en trop dans notre freezer qui est ça. On installera un deuxième couleur qui est d'ailleurs dans le bon sens. Je suis allé vérifier, j'ai oublié de vous dire. Pour réfrigérer encore plus la zone pour qu'au moins les gens puissent aller s'aérer un petit peu l'esprit. Et on développera la recherche passive couleur. Pour pouvoir foutre dans les chambres quand tu auras un problème. Comme ça, ça réfrigérera la chambre et en fait, au bout d'un moment, après, le truc, il disparaît. Ça a été mis d'ailleurs dans l'Alpha 15. Ok, c'est un épisode de ouf. On n'oubliera pas de rééquiper les couteaux aussi. Et bien écoutez, épisode 3, Rimworld, communauté Heartless. On se retrouve pour l'épisode 4. À demain.